certains félins comme les léopards indiens, les panthères de Java ou même les jaguars. On constate alors chez l'animal atteint de mélanisme qu'un excès de mélanine lui donne une robe noire. Son pelage comporte toutefois des taches que l'on peut apercevoir par transparence à la lumière. On observe que le mélanisme est plus fréquent chez le léopard des forêts tropicales humides de l'Asie du Sud-Est et de l'Inde, où 11% de la population de léopards est noire. En revanche, les panthères noires sont très rares en Afrique. La panthère noire n'a pas de préférence marquée pour un milieu en particulier. Elle peut vivre dans la forêt tropicale ou le long des lisières boisées qui bordent les cours d'eau, aussi bien que dans les savanes ou les semi-déserts. En moyenne, elle mesure 1,2 m de longueur et pèse 50 kg. Les gros mâles peuvent atteindre les 90 km. C'est un redoutable prédateur grâce à sa rapidité. Elle peut courir jusqu'à 60 km par heure en vitesse de pointe. C'est à la nuit tombée qu'elle se met à la recherche de nourriture. Ainsi, elle chasse dans l'obscurité, la couleur de son pelage étant un véritable atout pour ne pas se faire repérer par ses proies et par les autres prédateurs. Excellent grimpeur et redoutable chasseur discret et solitaire, la panthère noire est un félin qui chasse à l'affût et en solitaire. Elle ne poursuit pas ses proies, mais les guette, camouflée dans les arbres ou les herbes hautes. Sa force est considérable. Elle est aussi à l'aise à terre que dans les arbres, grimpant avec facilité grâce à ses pattes larges dotées de griffes puissantes, remontant sur les branches des proies de sa taille, voire plus lourdes qu'elle. De plus, elle nage très bien et n'a pas peur de se mettre à l'eau. Majestueuses, imposantes et fascinantes, les panthères sont des animaux très appréciés pour leurs caractéristiques physiques qui en font un animal splendide. Malgré cela, les panthères sont des animaux plutôt méconnus, puisqu'il ne s'agit en réalité pas d'un seul animal mais bien d'une sous-famille de félins, celle des panthérinés, panthrinés. La panthère noire n'est pas, en tant que telle, une espèce de panthère, ni de léopard, ni même de jaguar. Il ne s'agit tout simplement que d'une particularité issue d'une anomalie de coloration issue de la mélanine que peuvent présenter les léopards indiens, les panthères de Java ou même les jaguars. La panthère noire est un mammifère carnassier qui se nourrit de viande crue d'Afrique et d'Asie. Il s'agit en fait d'un léopard au pelage sombre, mélanisme. Elle fait partie des félins. La panthère est un quadrupède, elle a quatre pattes. Elle est très forte et court vite, elle nage très bien aussi et grimpe aux arbres où elle dort et attend ses proies. Les panthères se nourrissent surtout de viande crue et aussi des fruits mûrs. Les petits, qui sont incapables de manger des aliments solides, mangent la viande mâchée par leurs parents pour qu'elle soit plus tendre.
Pendant la saison des amours, les panthères de sexe opposé se réunissent, le mâle quitte ensuite la femelle en la laissant s'occuper seule du petit, comme la plupart des mammifères d'ailleurs. Les bébés panthères restent avec leur mère jusqu'à l'âge de 2 ans. Une fois sevrés et devenus adultes, les jeunes panthères vivent leur vie de manière solitaire sur leur propre territoire. À l'âge adulte, le mâle pèse plus ou moins 60 à 80 kg et a une mesure de 100 à 150 cm tandis que la femelle pèse 28 à 40 kg et est un peu plus petite que le mâle. La panthère a une espérance de vie de 20 à 30 ans. La panthère est tout le contraire de son cousin le guépard qui se laisse apprivoiser facilement. Elle préfère être solitaire et ne vit pas en groupe. Pour chasser, la panthère se tapit dans les zones d'ombre notamment créées par les branchages épais et attend le bon moment pour attaquer.